the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make. Salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto sur la chaîne. Donc ce sera un tuto sur Conan Exile, pour vous expliquer comment avoir une monture et comment l'élever et comment tout se passe à peu près. Donc d'abord, pour avoir une monture, vous devez avoir déjà ceci, qui est l'enclos pour animaux. Une fois que vous aurez créé l'enclos animaux qui se trouve dans ce... Il me semble que c'est là dans l'établi de charpentier. Voilà, une fois que c'est dans l'établi de charpentier, c'est celui-ci. Enclos pour animaux. Donc il vous faut 300 de pierre, 400 de bois et 20 de fibres. Donc une fois que vous aurez ça, vous serez tranquille. Sur la version PC, il existe 4 types d'enclos animaux. Mais comme nous sommes sur Play 4, nous avons qu'un type d'enclos animaux. Donc c'est vraiment cool déjà comment c'est fait, j'aime bien. Donc maintenant, si vous voulez choper une petite bestiole et pour qu'elle soit à vous, il faut déjà la trouver. Donc nous y voilà. Donc une fois que vous avez repéré la bestiole que vous voulez avoir, alors tout d'abord je préfère préciser, il faut absolument que ce soit des bébés. Alors, vous pouvez avoir des bébés ou alors des œufs. Voilà, à partir de là vous pouvez, il pourra vous appartenir. Si c'est un adulte, vous ne pourrez pas l'avoir parce qu'en fait c'est vraiment simple, ils ne se sont pas pris la tête. Pour avoir tout simplement, vous approchez de ça, donc d'une espèce de tortue. Et vous appuyez sur carré. Et normalement il est censé le prendre et là ça fail. Ah voilà, je l'ai eu. Donc là, vous voyez, en bas à droite, ça m'a marqué que je l'avais. Normalement, si je vais dans mon inventaire, elle apparaît. Voilà, elle est juste ici. Petite Miku Hanski, une petite créature. Je préfère préciser que sur le serveur actuellement où je suis aujourd'hui, ça lag un peu. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai galéré un petit peu à la capturer. Mais normalement, ça va très vite. Vous mettez devant. Vous pouvez avoir tout type de créatures. Vous pouvez avoir des liens, crocodiles. Enfin, je vais vous montrer déjà moi ce que j'ai. Donc une fois que vous aurez votre petite bébête, vous arriverez ici. Vous choisissez n'importe lequel, c'est pas bien grave. Vous appuyez sur carré et là vous voyez déjà que j'en ai quelques-uns. J'ai pris deux petites deux bébés. Je précise encore qu'il faut absolument des bébés ou des œufs. Les œufs j'ai pas testé encore, mais il faut absolument des bébés. Donc là vous voyez, j'ai deux petites bestioles comme ça. J'ai une hyène et j'ai un bébé crocodile. Donc la hyène et le bébé crocodile, c'est de la viande. Donc il faut que vous ayez tué des bestioles pour avoir la viande. Mais la viande pas, mais des petits morceaux de viande, hein. Il faut que ce soit vraiment le steak. Qui dessine le steak, vous le déposez ici, vous allez voir, il n'y a rien à faire. Et pour les petites tortues, ben c'est tout simple, c'est tout simplement de la fibre végétale, vous en mettez beaucoup. À savoir que le tamage, il est très très long, d'ailleurs, tout à droite, vous avez déjà le dessin pour le premier truc, après la créature plus la fibre, donc ça demande beaucoup de temps pour qu'elle soit adulte. Voilà, là vous allez pouvoir constater qu'en bas à droite, vous avez des barres blanches que vous pouvez constater. En bas à droite, il y a marqué en attente de fabrication. Il y a les têtes et juste en dessous, il y a la barre. Donc il faut que la barre se remplisse pour qu'il vous appartienne. Une fois que ce sera rempli et que ça vous appartiendra, la créature apparaîtra ici, à adulte. Elle sera là, debout ici, et vous pourrez normalement la prendre et faire ce que vous voulez avec. Hein. Normalement, je pense que vous pouvez monter dessus. Elle peut aussi vous faire autre chose. Du fumier peut vous faire pour que vous puissiez planter vos graines, enfin si cela. Donc en tout cas voilà, c'était un tuto court, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à balancer le pouce, à me dire en commentaire ce que vous pensez, et je vous fais de gros bisous, je vous dis ciao ciao pour un prochain tuto.